L'équipe, c'est Kraken. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais dire que, en ce moment, il n'y avait pas de vidéo parce que je voulais faire un peu une pause et tout. Et du coup, voilà, je m'en excuse. Du coup, on va commencer la vidéo sans plus attendre. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être comment gagner de l'argent facilement sans spécialement acheter. Genre, de façon, il y a pas à acheter. Du coup, ça va être facile et du coup voilà, du coup sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Première manière de gagner de l'argent, c'est revendre des véhicules de PNJ ou même des véhicules qu'on sert pas. Genre, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons, moi j'avais ma Zentorno, j'avais payé le prix, je crois il a 700, il a combien le prix? Falco, attends, je mute moi aussi, je mute. Ouais, mais il a combien le prix de la Zentorno? Ah, ok. Du coup, il s'est déjà mute. Vas-y, c'est pas grave. Je crois il a 775 000, un truc comme ça. Et, ah oui, au cas où, aussi, je voulais dire un truc avant. Avant de rentrer déjà bien dans la vidéo, c'est que si je fais la vidéo là, c'est pour les gens qui débutent, genre non les gens qui sont par exemple level 300, qui ont déjà 48 millions, bref, c'est pas pour eux, je vous le dis. Et du coup voilà, du coup je disais, on revend des véhicules de PNJ ou revendre ces véhicules parce que des fois même ça peut prendre de la place dans le garage. Et moi j'ai revendu ma Zentorno, j'ai revendu quoi d'autre, j'ai revendu deux motos, j'avais pas fait exprès de les acheter, du coup voilà, et du coup je les ai revendus, et du coup voilà. Du coup, sans plus attendre, on va passer à la deuxième manière, faire les événements dans les sessions publiques. Là peut-être que vous comprenez pas, mais imaginons avec par exemple il y a un événement avec une moto, et ben ça va être rester le plus longtemps en roue arrière. Ou imaginons il y a un truc aussi, c'est je sais plus comment ça s'appelle, c'est on est en avion et va falloir récupérer des balises dans les airs et ça vous donne des RP et des dollars. Du coup il y a ça. Et du coup, faites les événements quand même, ça peut récupérer de l'argent. Surtout que les gens, ils font pas souvent les événements. Du coup, vous pourrez arriver dans le troisième. Moi, perso, je vais pas dire que je l'ai fait tout le temps. Parce que, c'est faux. J'en fais quelques-uns. Mais je fais ceux qui m'intéressent, je vais pas me forcer à les faire et tout. Là, j'ai 1 216 266. Mais je vais pas me considérer avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Du coup, c'est pour ça. Même si j'aurais 10 millions, je l'aurais fait quand même la vidéo. Mais la vidéo, c'est pour les débutants. Enfin, ceux qui débutent GTA. Du coup, voilà. Les événements. Faire les événements dans les sessions publiques, braquer les magasins, je sais pas si vous allez comprendre, hop le magasin là, je vais vous montrer, je pense vous savez ce que ça veut dire de toute façon, mais vas-y je vais braquer quand même, juste j'appelle les stores pour faire la police sur mes yeux, sinon après je serai les flics et ça va être chiant. Du coup hop voilà. Hop, voilà. Okay, I will take care of it. Du coup, vous prenez n'importe quelle arme. Moi. Hop. Et les gars, surtout, attendez bien. Je répète, attendez bien qu'il ait fini de vider la caisse. Parce que regardez, déjà c'est marqué en haut. Attendez que le commerçant ait fini de vider la caisse pour amasser un maximum d'argent. Bon bah. Pas fait exprès. Vas-y, après tuez-le hein, si ça vous fait plaisir. Et après, je crois que vous pouvez vider la caisse. Je crois. Hein. Je suis pas sûr. Mais est-ce que je l'ai récupéré la thune? Ouais, j'ai récupéré 1600. Donc, ok, ça va. Après, on va passer à la. On est à la combien déjà? On est à la
Bah là, on vient de faire la troisième. Du coup, sans plus attendre, on va passer à la quatrième. Faire des courses. Ouais, du coup, les gars, je vous parle pas d'aller à Intermarché ou au Carrefour. Faire des courses. Après, les gars, les courses, c'est comme vous voulez. Après, quand je dis faire des courses, c'est des activités. Hein. Genre, vous pouvez faire des... Que ce soit n'importe, hein. Course, affrontement, capture, extermination, mission même, les missions. Et justement, je vais en parler après. Du coup, voilà. Et on passe à la cinquième manière. Après, ça va être faire les missions proposées par le jeu. Du coup, voilà, je vous ai dit, on allait y passer. Du coup, quand je dis faites les missions proposées par le jeu, ça va être... déjà braquage du casino. Enfin, après, je donne que des exemples. Hein. Mais après, malgré tout, genre, faut acheter les bâtiments, genre la salle d'arcade et tout. Mais imaginons, vous avez déjà acheté et tout. Moi, perso, j'ai tout acheté. Genre, comment dire. Enfin, j'ai pas tout acheté. Genre, j'ai acheté salle d'arcade, bunker, boîte de nuit et tout. Du coup. Par exemple, braquage du casino, braquage de la fin du monde, genre surtout aussi si vous voulez gagner plein d'argent, mais genre petit à petit, genre par 2500, 5000, et puis voilà. Achetez une boîte de nuit et faites l'émission de la boîte de nuit. Moi, les gars, moi j'ai acheté la boîte de nuit la moins chère parce qu'à chaque fois j'achète la salle d'arcade, boîte de nuit et tout, le moins cher possible. Alors, tu vois, comme ça je nique pas beaucoup, beaucoup. Un million, mais vas-y. Du coup, faites l'émission de la boîte de nuit. Ça va vous donner de l'argent. Et aussi là, je vais me diriger pendant que je vous dis les manières. J'ai des sous dans le coffre-fort de la salle d'arcade. Et du coup, voilà, prenez, après, genre, vous faites comme vous voulez, hein. Vous prenez l'argent quand vous en avez besoin, ou même dès que... Après, c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, c'est votre jeu. Moi, je suis là juste pour vous donner des astuces. Du coup, voilà. Bien. On va passer à la sixième manière, je crois. Ouais. Ayant un bon... gagner de l'argent en ayant un bon comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, vous tuez pas de PNJ ni rien. Genre... mais par exemple, imaginons, vous voulez voler un véhicule de PNJ. Ok. Mais genre... En ayant un bon comportement, ça veut dire que faut pas tuer les PNJ, genre faut pas détruire les véhicules des autres joueurs dans les sessions publiques. Moi là, je suis en session publique, mais je suis tout seul, donc ça va. Et après, moi des fois, je lance des sessions sur invitation. Je sais qu'il y a pas d'événement ou quoi. Du coup, ayant un bon comportement, on peut gagner 2000. Après, du coup. On va passer à la septième manière. La septième et la dernière, vu qu'il y aura peut-être un ou deux bonus, je sais pas. Les gars, là, ça va avoir son importance. Je tourne la vidéo le 27 avril. Sur ça, son importance, parce que je sais pas si vont rester. Je sais pas si l'émission elle vont rester toujours. Mais. Ça va être faire l'émission de Gérald, d'autant plus, enfin, à savoir que les RP et l'argent s'est doublé. Regardez, tout à l'heure j'ai reçu une demande d'activité, enfin de mission. Regardez, hop, regardez, 1 à 4 joueurs, dernier coup, mule originale, toutes les crises apportent leur lot, hop, et il y avait le sigle, hop. Regardez, il y avait bien, enfin c'était marqué le sigle, comment, regardez, x2 RP et dollars. Du coup voilà, après il y a un truc, là on va passer au bonus, en allant à ma salle d'arcade, genre je vais vous dire. Mes manières, enfin les manières que genre que je dis de la vidéo, genre je les note au fur et à mesure dans les notes sur mon tel. Du coup, voilà. Et par contre, les bonus, je les ai pas marqués.
Du coup, le bonus, là ça va être une petite manip à faire, mais rien de fou. Vous allez, merde, vous allez dans, merde, je me rappelle dans la salle d'arcade, mais je sais c'est où, hein. Vous allez dans, hop, attendez, juste ça, voilà, hop, c'est curieux serve. Vous mettez chercher du travail sans ou avec. Vas-y, je vais mettre avec, hein. Et après, quand vous êtes dans des sessions publiques avec plein de gens, genre quand je dis plein, genre c'est qu'il y a déjà des gens, genre c'est genre ça va leur afficher en bas que il y a des joueurs dans la session qui cherchent du travail. Et du coup, votre salaire, c'est qu'euro serve, ça dépend, ça va être quoi, genre si vous protégez pas bien le, comment dire, le chef de l'organisation, le PDG, genre votre salaire il va être un peu réduit. Mais Lucas, le max c'est quoi d'être payé? Je sais pas, je crois que c'est 5000. Ouais, je crois que c'est 5000. Et je sais plus si c'est 2000, enfin je sais plus si c'est 2500 ou 5000. Bref, mais en tout cas vous gagnerez plus de 2000 en tout cas. Du coup voilà. Et vas-y, en allant à ma salle d'arcade, je vais réfléchir à des trucs que j'avais déjà en tête. Et voilà. Du coup les gars, en attendant, parce que quand même faut animer un peu la vidéo, comme je disais, acheter les bâtiments, genre salle d'arcade, boîte de nuit, bunker et complexe, genre vous n'êtes pas obligé de tous les acheter, vous pouvez en acheter qu'un seul comme moi j'ai fait, de toute façon comme tout le monde a fait je pense. Et du coup voilà, vous pouvez, genre, comment dire, voilà, en achetant des bâtiments, vous allez gagner de l'argent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, en achetant des bâtiments, genre salle d'arcade par exemple, vous pourrez faire le braquage du casino. Mais en faisant le braquage du casino, forcément, comme récompense, on va avoir quoi? Des RP déjà, mais genre ça. Ah oui. De la thune déjà. Ouais, de la thune déjà. Et on aura limite 300 000, hein. Vous aurez limite 300 000, enfin pour les billets. Et du coup voilà. Ah, enfin, tu leur as expliqué qu'ils fassent des duplications, comme ça vous gagnez un million de gratuits là. Non. Ceux qui sont ça, là. Bah vas-y, explique, hein. Bah en fait, tous ceux qui ont le bunker et aussi le centre d'OP, bah genre, s'il a un de vos potes qui a un véhicule modé par exemple. Ou un véhicule, je sais pas, que vous aimeriez avoir. Genre, il faut qu'il vous le file en deux fois, et genre, vous pourrez revendre le deuxième, et vous gagnerez un million. C'est voilà. Aussi, il y a une autre technique comme ça, mais genre, après, c'est un glitch. Genre, après, c'est comme vous voulez, si vous voulez le faire ou pas. Après, genre, je vous déconseille de le faire. Genre, c'est les dons de véhicules. Vous demandez à vos potes, ou vous regardez une vidéo sur YouTube, vous demandez est-ce que tu peux me faire un don de véhicule. Parce que imaginons la T20 par exemple, je dis ça à un véhicule au hasard, elle est à 2 200 000. Du coup voilà les gars, vous avez vu, j'ai récupéré 7085. Elle est à 2 200 000. Attends, par contre, il faut pas qu'on fasse abuser pour un jour, hein. Ouais, enfin, ouais, c'est voilà. Du coup, ouais, vous savez, sinon vous allez être ban. C'est pour ça que je dis, c'est déconseillé de le faire. Du coup, je disais quoi? Ouais, vous pouvez faire des dons de véhicules comme ça. Imaginons la T20, elle coûte 2 200 000, ce qui est déjà quelque chose quand même. Vous allez gagner déjà 2 200 000 à la place de l'acheter. Ça va vous récupérer
Genre, oh, vous allez gagner quelque chose quand même, hein, parce que parce que déjà en parce que sur l'acheter c'est 2 200 000 plus custom, vous en avez au moins pour facile 2 030 000 ou bien la custom bien 2 240 000, hein. Du coup voilà. Et après je voulais dire un autre truc, je sais plus c'est quoi. Oh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Attends, je peux dire un truc? Ouais, vas-y. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ouais, allez vous abonner si ça nous fait plaisir. J'ai plus de trucs à dire, hein. Ah ouais, ouais, si on oubliait des trucs dites le dans les commentaires et puis voilà. Ouais, les objectifs aussi, merci. Les objectifs, vous en faites 10 en une semaine parce qu'il y en a 3 par jour. Vous en faites 10 en une semaine, vous gagnez 1 000 000, c'est ça? Ouais, je crois. Oui, je voulais dire un autre truc aussi, mais c'est un peu en bonus, hein, quand même. Vous pourrez... tiens, je vais tourner la roue avec vous. Je vais me diriger. C'est en bonus, hein, vraiment. Ah oui, enfin, il y a un bonus, mais il y a un truc qu'on peut faire. Je vais commencer le truc qu'on peut faire. Imaginons vous avez full jetons. Imaginons vous avez 20 000 jetons. Vous pouvez les échanger à la... Comment dire? À la caisse. Vas-y, oui, je vais dire à la caisse. Et genre, vous faites échanger des jetons. Et un jeton, c'est 1 dollar. Du coup, 20 000 jetons, vous allez récupérer 20 000 dollars, forcément. Et le bonus aussi, en tournant la roue, c'est gagner des sous. Et le max qu'on peut gagner, c'est... 50 000, c'est ça? Attends, j'ai une question. Est-ce que quand tu gagnes un budget de casino et quand tu veux leur vendre, est-ce que tu l'as toujours gratuit? Ah non, non, c'est payant. Genre, enfin, tu gagnes de l'argent. Non, c'est payant. Tu vas faire ça, c'est payant. Du coup, les gars, là, je me dirige au casino. Et oui, je voulais vous dire tous les bâtiments publics que vous achetez. Donc, bâtiments publics, salle d'arcade, boîte de nuit. Et il y a quoi d'autre comme bâtiment public? Je vais regarder. Attendez. Hop. Salle d'arcade, boîte de nuit, du coup. Hangar, non, c'est pas... Ça, c'est un QG. Donc, c'est tout, il n'y a que ça. Ouais. Du coup, il y a que ça. Et genre, boîte de nuit, salle d'arcade, ça, c'est ce qui est bâtiment public. Dans les bâtiments publics que vous avez, vous pouvez gagner... Enfin, il y a un coffre-fort obligé. Et du coup, voilà. Mais ce qui est pratique quand même avec la boîte de nuit, c'est que vous pouvez faire des... Comment ? Des missions. Et par rapport au... Enfin, dès que vous avez terminé l'émission, c'est... vous gagnez soit 3 000, soit 1 000, soit 5 000. Ça, après, ça varie l'émission. Du coup, voilà. Merde. Et après, dans le coffre-fort, les sous, vous gagnez 10 000 par 10 000. Enfin, ouais, moi, perso, c'est ce que je gagne, 10 000 par 10 000. Et du coup, je récupère au fur et à mesure... Parce que l'oiseau, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Du coup, là, on est bientôt arrivé au casino. Hop. Du coup, les gars, je sais pas du tout ce que je vais avoir. Hein. Après, c'est le but de tourner la route du casino. Lucas, toi, tu penses que je vais avoir quoi? Je sais pas. Là, je suis en train de moi aussi. Merci.
Bah j'en étais sûr, il allait dire. Ah ouais, il y a toujours la sultane. C'est la sultane ici, non? Je sais plus. Non, c'est pas la sultane. Enfin, vas-y, je sais plus. Le pire, c'est que j'ai pas tourné la roue pendant 2 jours, je crois. Sinon, un jour. Ouais, du coup, je peux tourner là. Hop. Hop, tourner la roue. Mais j'ai bien gagné la bagnole. Mais pourquoi j'ai jamais de chance quand je peux bien gagner la bagnole? Vas-y, j'espère que je vais gagner soit des sous, soit la voiture. Comme ça, je vais pouvoir la revendre. Hop, voilà, les gars, là, j'ai gagné 20 000 $. Ça va, c'est pas dégueulasse. On accepte. Et moi, les gars, oui, dernier truc, mais genre, c'est pas en gagnant de l'argent. Justement, c'est imaginer, genre là, moi, c'est ce que je fais perso. Dès que j'ai de l'argent sur moi, là, j'ai 8685. Vous allez dans votre tel, vous faites... dans votre tel sur GTA, hein, vous faites Maze Bank, mais pas Maze Bank Forclus, là. Vous allez dans versement et vous versez le nombre que vous voulez. Attends, je vais vous dire où aller, parce que... Hop. Vous êtes dans le truc sur votre tel, vous êtes dans argent et services. Et hop là, hop, imaginons il y a un gars, il veut vous tuer, et eh ben il aura rien à part des RP. Du coup voilà. Du coup les gars, je récapitule comment on doit faire. Là vous ouvrez votre téléphone, vous allez dans internet, vous allez là, vous êtes là, vous allez dans argent et services, vous descendez tout en bas, Maze Bank, vous allez sur menu principal, versement, hop, là ça va charger. Je crois que t'as oublié un truc. Hop. Vas-y, dis. Genre, vous appelez des braqueurs pour braquer un mec et vous allez le prendre. Ouais, voilà, mais on peut faire ça aussi. C'est un truc que tu peux, mais je crois que c'est dans le pays, mais vous allez le récupérer. Après, les gars, il y en a encore des tonnes. Il y en a encore des tonnes et des tonnes. Mais genre, j'y pense pas spécialement là. Et du coup, voilà. Je pense que ça sera bon. Je pense que je pense à tout, enfin au minimum déjà. Du coup, dites-moi si ça vous plaît, les vidéos comme ça. Et voilà, là je fais une pause, mais genre je pose la vidéo là quand même, comme ça vous faites pas chier. Et voilà, du coup, c'était Kraken. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Avec Zeke, c'était Zeke. Allez vous, enfin likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et à la sienne, Lucas Foot tout en majuscule. Abonnez-vous, lâchez un petit like et vas-y partagez sa chaîne et commentez surtout. Du coup, c'était Kraken et Zeke. On se retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que la vidéo elle vous plaira et que elle servira. Du coup, c'était Kraken, peace. Et Zeke aussi. Peace.